President, please be seated. President, veuillez vous asseoir. The court is back in session. The floor is now given to the defense team for Mr. Kyusumporn to put question to this civil party. You may now proceed. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Bonjour, Monsieur Sansepon. Je m'appelle Ontagise, je suis co-avocat international de M. Kyusampan et je vais vous poser quelques courtes questions de précision par rapport à votre déposition. Vous avez indiqué hier et vous l'avez confirmé ce matin, vous avez travaillé sur le barrage de Trapintma pendant une durée de 2 mois à compter de mai 1976. Donc mes questions vont exclusivement porter sur cette période-là et sur votre travail sur le barrage. Répondant, je pense, hier à une question de Monsieur le coprocureur international, vous avez indiqué que lorsque vous avez quitté le site du barrage, le barrage était presque terminé, pas encore terminé, mais presque terminé. Est-ce que vous savez quand les travaux ont été réellement terminés sur ce barrage ? I do not know about that. I was working there for a brief moment, after which I was removed to work at Spien Shrine worksite. Et est-ce que vous savez quand les travaux ont débuté sur ce barrage? And do you know when the work began on the dam? Answer. I do not know when the work at the dam began. I was called to help at that work site. Et dernière question sur ce point. Est-ce que vous avez entendu, sans vous souvenir de quand le barrage s'est terminé, est-ce que vous avez entendu parler d'une quelconque inauguration de ce barrage à un moment ou à un autre? Ever hear of the dam itself actually being inaugurated at any point in time? There was no inauguration ceremony. We were invited into a big meeting or rally at the time, and the big person was speaking and addressing the attendees. Des personnes en vue qui ont pris la parole devant les personnes qui étaient présentes. Et ça, c'était à la fin des travaux sur le barrage ou au commencement? At the end of the work on the dam or at the beginning? I had been there for 1 month, and after that I was invited into a meeting so that we had to strive to work. Dans laquelle on nous a dit qu'il fallait faire preuve de zèle. Donc ce que vous évoquez avec nous, ce n'est pas une quelconque inauguration, vous voulez dire que c'était une visite de ponte sur le barrage, c'est bien ça. Inauguration here, you're talking about some sort of visit to the dam. It was not inauguration ceremony like the present time. It was the meeting that I attended. Je remercie de ces précisions. Thank you. Autre précision que je voudrais obtenir de vous. Another point I wanted vous avez évoqué le type de travail que vous avez effectué sur le chantier, à savoir transporter de la terre dans des paniers.
Est-ce que pendant les deux mois au cours desquels vous avez travaillé sur ce barrage, vous avez toujours travaillé sur un même lieu géographique? Did you always work in the same place? Answer, I worked in the same place. Réponse, j'ai travaillé au même endroit. Et est-ce que vous pouvez expliquer à quel endroit, enfin dans quelle commune se situait exactement l'endroit où vous travaillez? Et est-ce que de l'endroit où vous travaillez, vous pouviez voir un pont qui constituait le bâtiment en dur du barrage? That was the basic inner structure of the dam. Answer. The place where I was working was named Spin Rieb. I was not allowed to move around freely. I had to station at my work site. Je devais rester sur mon lieu de travail. Ma question était de savoir si vous pouviez voir un pont de l'endroit où vous étiez. C'est soit oui, soit non, simplement cette précision que je souhaite obtenir. Just yes or no, that's all. President, please wait, Mr. Civil. You have to observe the microphone. Vous devez attendre que le microphone soit allumé pour parler. Witness, the place that I work was called Spin Rieb. L'endroit où je travaillais s'appelait Spin Rieb. Je réinsiste. Est-ce que de cet endroit vous pouviez voir un pont? Ask again. From that place, could you see a bridge? Yes, I was able to see the bridge. The bridge was close by. Le pont était proche. Et est-ce que vous savez de quel pont il s'agissait? And do you know what bridge this was? So why are you resisting on my answer? I already told you that it was Spin Rieb. Je précise à l'attention de monsieur de la partie civile et des parties que dans un document E3/8050, qui est un site d'identification, un rapport de situation géographique, il est indiqué à la page en français 004504434, ERN en anglais 004228005 et en Khmer 00464719. Il est précisé que le barrage aurait eu une longueur de 10 km et une largeur de 7 km. Dans ces conditions, en fait, mes questions avaient pour but d'essayer de situer à quel endroit de ce barrage vous avez travaillé. Donc, j'ai bien entendu vos explications, mais je tenais à donner ces précisions sur la raison de mes questions. Vous avez indiqué que vous avez travaillé dans une unité dans laquelle il y avait environ 70 personnes et que autour de vous il y avait des unités où il y avait une centaine de personnes. Est-ce que vous pouvez m'indiquer combien d'unités, si vous en souvenez, travaillaient dans le secteur dans lequel vous travaillez? Were working in the sector that you were employed in?
question, however, I am trying to respond. Yes, it is true that there were certain members in my unit, as you mentioned, there are other units, and there were many people working on the dam. Beaucoup de personnes qui travaillaient sur le barrage. En termes de fonctionnement des unités, est-il exact de dire que vous ne savez pas comment fonctionnaient les autres unités, que ce que vous nous avez indiqué concerne l'unité de 70 personnes dans laquelle vous travaillez? Answer, that is true. Je pense, oui, c'est exact. Tout à l'heure, répondant à une question de mon confrère Victor Copé, vous avez indiqué que c'était le chef de l'unité dont vous ne vous souvenez plus du nom qui vous réveillait le matin. Et j'ai cru comprendre également qu'il y avait une cloche. Est-ce que cette cloche que vous avez évoquée ce matin n'avait d'usage que pour votre unité ou elle était utilisée également pour les unités qui étaient proches des vôtres, de la vôtre? There was one bell within the compound of my unit, and there were bells in other units. The bell were rang to wake us up to start work. On sonnait la cloche pour nous réveiller afin que nous commencions le travail. Et vous-même, au quotidien, est-ce que, en dehors du matin, vous revoyez ce chef d'unité dont vous ne vous souvenez plus du nom, ou est-ce que, au quotidien, c'était plutôt votre chef de groupe RA que vous voyez? Est-ce que vous pouvez préciser? Ou est-ce que vous pouvez plus probable que vous voyez le chef de votre groupe RA? Answer. Yes, head of the group was directly supervising us, and he was close by. And as for the unit chief, he would go around and see us and observe us. Pour nous surveiller, nous observer. Vous avez également évoqué la question du quota au sein de votre groupe de 3 mètres cubes de terre par jour et par personne. Est-ce que vous pouvez indiquer qui était en charge entre votre chef de groupe RA et le chef d'unité, qui était en charge de faire la vérification de ce quota? Answer. It was the head group who verified the quota that we met, and then he reported to unit chief. Nous atteignions bien notre quota, et ensuite il faisait son rapport au chef d'unité. Et comment matériellement s'effectuait cette vérification? Comment est-ce qu'ils savaient que vous aviez atteint vos 3 mètres cubes ou pas? How did they know whether or not you had actually carried your 3 meters, cubic meters of earth? The stick or branch of the tree was used as a measurement, and then the stick was used to measure the earth. If it reached 1 meter, and then they said we met the quota. Alors cela voulait dire qu'on avait atteint le quota. Vous avez à l'audience d'hier indiqué, c'était vers 15h37, que
au début, vous aviez des repas trois fois par jour et que par la suite, vous n'aviez plus eu que de la bouillie épaisse. Et vous avez précisé, je vous cite, que si vous n'aviez plus eu trois repas par jour, c'était parce que le riz était épuisé. Ma question est de savoir, durant les deux mois au cours desquels vous avez travaillé sur le barrage, pendant combien de temps vous avez eu trois repas par jour ? I cannot get your question or what are you asking? Je vais la reposer autrement. À l'audience d'hier, voilà la question qui vous a été posée. Pourriez-vous nous dire, lorsque vous étiez au barrage de Trapangtma, combien de fois par jour on vous autorisait à manger? Votre réponse a été la suivante. Au début, on nous autorisait à prendre nos repas trois fois par jour. Par la suite, nous n'avions plus que de la bouillie épaisse. La question suivante qui vous est posée est la suivante. Et par la suite, preniez-vous toujours trois repas par jour ? Et votre réponse a été de dire non, le riz était épuisé. Plus tard, on nous a autorisé à avoir du riz au déjeuner et nous avions un deuxième repas le soir. Fin de citation. Ma question est donc de savoir, pendant les deux mois que vous avez passé sur le barrage, à quel moment vous avez arrêté d'avoir trois repas par jour ? Witness, the question appears to be long, so I do not know how to respond to it. Elle était très longue parce que j'essayais de vous rafraîchir la mémoire par rapport à ce que vous aviez dit hier, mais c'est pas grave, je vais recommencer autrement. Vous avez indiqué que pendant les deux mois au barrage de Trapangtma, vous avez eu d'abord trois repas par jour et ensuite deux repas par jour. Pendant combien de temps avez-vous eu trois repas par jour ? Answer. Réponse. It was 1 month later. C'était un mois. After I could have three meals per day, and 1 month later, as I stated, the food ration was reused. La ration alimentaire a été réduite. Vous avez indiqué que le riz était épuisé. Ma question est donc de savoir qui vous a informé que le riz était épuisé et savez-vous d'où venaient les vivres qui vous servaient à faire les repas pour vous au sein de votre unité ? I did not know where the rice was taken from. I do not know who went to bring food supplies. I only knew that I had a gruel at the time that I went to eat meal. Lorsque je prenais mon repas. Est-ce que je dois comprendre que aucune explication ne vous a été donnée? Pourquoi les repas ont été réduits à ce moment précis. Nobody explained to you why the meals were being reduced at that particular point in time. Answer. That is true. No one came to explain us about that. Personne n'est venu nous expliquer cela. Vous avez indiqué avoir assisté à un moment à une réunion. Est-ce que pendant votre séjour à Trapangtma, on vous a indiqué à un moment ou à un autre quel était le but
de la construction de ce barrage. Were you at any point in time told what the whole purpose of building the dam was? Witness, I cannot get your question. Je n'ai pas compris votre question. Vous avez indiqué avoir assisté à des réunions. Est-ce que, enfin au moins à une réunion, est-ce que lors de cette réunion ou d'une quelconque autre réunion, on vous a expliqué pourquoi on construisait ce barrage à cet endroit? No explanation was made. The meeting was convened to instruct us to strive to work. No explanation was made at that time why the dam was built. Et est-ce que vous savez si ce barrage a perduré après 1979? Do you know if the dam went on being in use after 1979? Witness, I cannot get your word or question. Je ne comprends pas votre question. Est-ce que après 79, ce barrage a continué à être utilisé dans le cadre de l'agriculture de la région? As part of the wider agriculture in the region. Answer. Could you repeat your question? I really could not get it. Il n'y a pas de souci. Je vous demandais si vous saviez si ce barrage, après 79, a continué à être utilisé dans le cadre de l'agriculture de la région. As part of the regional agriculture after 1979. I have no idea because I have never been there after the time that I had left the dam site. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je n'ai plus d'autres questions et mon confrère Kong Samun a quelques brèves questions à rajouter. Ern has one or two questions that he would like to ask. President, thank you. You may now proceed. Council Kong Samun. Council Kong Samun. Thank you, Mr. President. Good morning, Mr. Sam Pon. I have some questions in relation to the answers you made at this earlier this morning. You said that Ye Jaim gave an order to kill your father. Could you tell the court whether you knew Ye Jaim during the democratic Cambodia? Answer. I did not know Ye Jaim. I heard people mention the name Ye Jaim. Counsel, thank you. Now, I want to know about the time or period. You stated that your father perhaps perished or died in late 1977 or early 1978. You also stated that your father died in the period of flood in 1977 or 1978. You respond to the question by Council Coppe that Ye Throb told you that your father died during the flooding. Vous avez révélé que votre père était mort pendant l'inondation. My question is as follows. Ma question est la suivante. Did you know whether your
father passed away in late 1977 or early 1978? Si votre père est décédé en 1977 ou début 1978? Témoin. It is my estimate regarding the time that he died. I do not know whether he died in late 1977 or early 1978. I knew that it was a rainy season. Counsel, thank you. It is clear for you La défense. Je vous remercie. Il est donc clair pour vous que votre père est décédé in rainy season in 1978. Is that true? En 1978. Est-ce exact? Witness, yes, that is true. Témoin, oui, c'est exact. Counsel, thank you. La défense. Je vous remercie. Does this mean that Yatrop told you about your father's death? What did she say? Whether it was in flood in rainy season or it was in dry season? Du décès de votre père, vous a-t-il dit si c'était en saison des pluies ou en saison sèche? Answer. The water receded already during that time that I was told. Les eaux étaient déjà descendues au moment où on me l'a répond la partie civile. In our culture, la défense dans notre culture, the water rises in the Pjumban period, that is in September or October. Is that true, to your knowledge? D'après ce que vous savez. Answer, yes, that is true. It is the time that it is the rainy season. C'est à ce moment, Counsel, thank you. C'est au moment de la saison des pluies. Trop told you La défense, Trop, vous a dit that your father had taken away and killed. Que votre père avait été so is that true? She told you that your father was taken away and killed in September and or October in 1978. Yes, perhaps in late 1978, when the water rised. Counsel, thank you. I would like to know about the time that you were working at the dam site, particularly the work quota. Sur le site du barrage, quels étaient les quotas de travail? Would like you to tell J'aimerais the court que vous disiez about à la Chambre the division of work comment within le travail your group. Était réparti Did the work au sein de votre was group? Divided within the group for a particular individual or it was it divided for the whole group? Ou est-ce qu'un quota était assigné à l'ensemble de votre groupe? Witness. At my work site, I had to complete the work quota le site de travail, which was set for the whole group. Au bout du quota Counsel, de travail could you tell the court how many workers the there were in your unit? Dans votre unité? Answer, there were 10 of us in my group. Nous étions 10 dans notre groupe. Counsel, thank you. La défense, you have told the court already about the work quota. And you stated that you had to finish 3 cubic meters of earth per day. Que le quota était de 3 mètres cubes de terre
par jour. You also stated that you did not meet the work quota at day during the daytime, and you had to continue working in order to finish it at night time. So did the whole group have to work with you when you did not meet the work quota? Avec vous lorsque vous ne respectiez pas le quota de travail? Answer. Réponse. Everyone could not take a rest. We had to work all together until 10 p.m. No one could finish the work quota during the daytime. We had to continue working at night time to finish the work quota. Question. Can you tell the court about the daily work measurement assigned to you and to your group, for example, a certain length of or certain stretch of land that were assigned to your group? Une longueur particulière qui était affectée à votre groupe que vous deviez réaliser? In fact, the plot was rather long. Alors, because after the land was measured, it was assigned to the group, and it was pretty a long stretch of land. For example, it could be 30 meters long, and we had to try to work hard. Everybody had to try to work hard, otherwise we would not be given food to eat. Sinon, on n'avait rien à manger. Question. You said, for example, it's a straight of 30 meters long piece of plot that was assigned to your group. De 30 mètres de long. Can you give us a bit more specific, for example, the width of the land plot and the depth of the land plot that was assigned to your group? Du terrain attribué à votre groupe. Answer. It was a 30 square meters piece of land that was assigned to our group, and the depth is half a meter. Et en profondeur, cela faisait 50 centimètres. Question. Based on your description, it was a 30 square meters plot of land with half a meter depth that was assigned to your group. Am I correct? 50 cm de profondeur. Et c'est cette espèce-là, espace-là, qui a été affecté, attribué à votre groupe. Réponse, oui. Questions. So, let me clarify this with you. Donc, it means it's préciser. 30 square meters, that is 30 meters runs on both sides of the piece of land that was assigned to your group with a half a meter depth. Am I correct? Par 50 centimètres de profondeur. C'est bien. Answer, yes. La taille du terrain attribuée à votre groupe? Réponse, oui. Questioned. Question. And for this particular piece of measurement that was assigned to your group, how long did it take your group to complete it? That is, amongst your 10-man group. Vous étiez un groupe de 10 hommes. Il vous a fallu combien de temps pour réaliser ce que vous devez Answer, faire? Answer, I don't understand your question. À ce terrain en particulier. Réponse, question, allow me to refresh it. Question. Question, je vais la reformuler. For that land measurement that donc, was assigned to your group, pour that ce is 30 by donc, 30 meters carrés, long, with a half a meter depth, et de 50 cm de profondeur. Was your group required to complete this work assignment on a daily basis or what? Est-ce que vous deviez vous occuper de tout ce terrain? Answer, en it une was seule journée, a daily quota for the group. Comment cela se passait-il? Réponse, c'était un quota journalier pour notre groupe. Answer, so this is a daily quota for your group.
question. C'était donc un quota journalier. Can you calculate the cubic meter of this land measurement? For example, this is 30 by 30 meters long with a half meter depth. What is the cubic meter of this land measurement? De profondeur. Cela fait combien de mètres cubes? Answer. The focus at the time was to conclude or complete that work quota, and we had to do whatever it takes to complete it and then to move on in order to complete a 3 cubic meter for each worker. However, allow me to stress, we could never complete this work measurement yet. A souligné le fait que nous n'avons pas Council, réussi my question à to you is for you to calculate the Je cubic meter size of this land investment. If you can't do it, it's all right. Ce terrain, donc le volume de ce terrain en mètres cubes, si vous êtes en mesure de le faire. Council, please answer my question. Can you do the calculation Merci in cubic meters? Merci de bien vouloir répondre à ma question. Savez-vous calculer le volume en mètres cubes? Answer, if I'll take the calculation, it means each of us could not complete the 3 cubic meters assignment. For 3 cubic meter work assignment for each worker, it means the depth had to be 1 meter. Council, thank you, and Mr. President, donc, I'm done with the civil party. President, thank you. And Mr. Saint-Sopon, we are at the conclusion of your testimony regarding the alleged crimes against Nguyen-Chi and Kyu Sompon and the harms that caused you to become a civil party to seek moral and collective reparation before this court. The harms include physical, material, or emotional harms, and it could be direct or indirect harms that are inflicted upon you, and the results are still with you today. You are now given an opportunity to make your statement of impact if you wish to do so. De faire une déclaration sur l'incidence de ces crimes allégués. From 1975, when I was forced to leave Phnom Penh, I faced all kinds of hardship. 75, lorsqu'on m'a forcé à quitter Phnom Penh, I had to move to Prey Rang and further move to Battam Bong. We lacked everything, including clothes and food, y compris de vêtements et de nourriture. Heavy burden on my family members. Et cela a été très lourd pour les and by 1977, the food was even scarce. We were given only a ladle of thin gruel for each meal. De bouilli, dilué par I became so desperate. J'étais I did not have any more hope in my life as I lost all my family members, including my parents and younger siblings. Y compris mes parents et mes plus jeunes frères et sœurs. I lost my property, I lost my home. J'ai perdu mes biens, j'ai perdu ma maison. President, Mr. Staff, Mr. Pirat,
please assist the civil party. He may need a few minutes to compose himself. D'aider la partie civile, il a peut-être besoin de quelques minutes. And I became orphaned. I lost all my relatives and family members. They were all killed. I did not have anyone to hang on to. And I'm still in the same condition at present day. C'est encore le cas aujourd'hui. It happened to me, and it happened to every Cambodian living under the regime. Cela m'est arrivé, c'est arrivé. And we could not imagine that we survived the regime. This is truth, the truth that I'm speaking of, and the truth that I experienced. C'est ce que j'ai vécu en vérité. And I urge the court to judge their acts upon us during the Democratic Cambodia regime. Ces actes and qui ont été perpétrés à notre encontre pendant le régime du Kampuchea démocratique, et je demande à la Chambre de les poursuivre et de les juger et de les condamner à une réclusion à perpétuité. My request. C'est la demande que je formule. J'en ai terminé. President. Le président. Mr. Civil Party, do you have anything else to add? Monsieur la partie civile, avez-vous quelque chose à rajouter? Civil Party. I have two questions that I'd like to put to the accused, Nunchia. President, you may do so. However, your questions have to go to the bench, that is to me, the president of the bench first. C'est-à-dire à moi-même, le président de la chambre. Civil Party, Mr. President, please convey my message to the accused. Transmettre ce my first question is the following. Voici ma première question. People in Phnom Penh were told to leave Phnom Penh for 3 days and that they could return, but it never happened. And secondly, we were told while we were in Prayang to return to Phnom Penh. Ensuite, however, on the contrary, we were only at the outskirts of Phnom Penh, and then we were sent to Battambang province. To me, these are lies committed by the leadership of the regime. And I'd like to get his response as to actually made those lies. Et savoir qui est à l'origine de ces mensonges. President, thank you, Mr. Sansapon. Merci, Monsieur Sansapon. The chamber wishes to inform you that after ascertaining the position of both accused on 8 January 2015 regarding the exercise of the right to remain silent, de leur droit à garder le silence a été établi le 8 janvier 2015. The chamber notes that the two accused maintain their expressed positions. J'ai entendu que la position des deux accusés demeure inchangée. On the right to remain silent unless and until such time as the chamber is expressly informed otherwise by the co-accused or their counsels. It is therefore incumbent upon them to inform the chamber in a timely and efficient manner should the accused resolve to waive the right to remain silent and be willing to respond to questions by the bench or relevant parties at any stage of the proceedings. However, as of today, the chamber is not informed that the co-accused have changed their expressed position
And that's agreed to provide their responses to questions by the bench or by relevant parties. Indiquant qu'il consentirait à répondre aux questions posées par les juges ou par les parties. And the hearing of the testimony of civil party Sam Sapon is now concluded. For the afternoon session, the chamber will hear testimony of a witness to TCW858. I'm Mr. Sam Sapon. The chamber wishes to thank you for your testimony as well as the statement of impact of the alleged harms inflicted upon you during the Democratic Cambodia regime, and your presence is no longer required in this court, and you may return, therefore, to your place of residence, and we wish you bon voyage. Nous vous souhaitons bon voyage. The chamber would also like to thank Mr. Sotiret, the visa staff, et nous remercions for your support given to the civil party during his testimony pour le soutien this morning. À la partie civile ce matin. And you may also be excused. Vous pouvez également disposer. Court officer, in collaboration with Visu, please make necessary transportation arrangements for Mr. Sansapon to return to his place of residence. Et organiser le retour and de security Sansapon personnel, you instruct you to take Kirsanpon to the waiting room downstairs and have him return to attend the proceedings this afternoon before 1:30. The court is now in recess. L'audience est suspendue.